Hey, salut à tous et à tous, c'est Jordan, on se retrouve pour le 7ème épisode avec les Minamoto sur Shogun de Total War. Donc cette fois-ci c'est en live, hein. C'est pas ma voix en plus sur l'épisode. Normalement il doit pas y avoir d'erreur avec mon micro, tout se passe bien. Enfin, j'espère parce que j'en ai marre. Donc on a des problèmes, enfin pas tant que ça, mais bon. Il faut reformer nos armées. Donc voilà. Faudra que je pense à faire un bastion ici. C'est hyper important. Faut que je regarde les recrutements. J'ai envie d'arrêter les recrutements présents. Voir déjà pourquoi j'ai autant de thunes. Enfin si j'ai aussi peu de thunes plutôt. J'ai pas l'air d'avoir de recrutement de commencer. C'est assez bizarre. Ici je réparais. Ici il va falloir que je répare. C'est super. Donc bah écoutez, on va passer le tour. Donc là il est 15h tout pile. Inch'Allah. Inch'Allah. Et donc voilà. Super enfin, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Il faut que j'arrive à me débarrasser de cette armée. Donc voilà, donc le seul gros problème, j'ai envie de dire, c'est que Shinano du Nord n'est pas un fort, n'est pas un bastion, donc il n'y a pas de comment dire, elle n'est pas, la ville n'est pas fortifiée en fait. Il va falloir que je la fortifie pour tenir cette ville à tout prix. Il faut que j'arrive à gagner cette bataille, elle n'est pas si simple, mais il faut que j'arrive vraiment à la gagner. J'ai en face 3 généraux encore, 2 unités de cavalerie et surtout les 5 unités de Naginata auxiliaire et leurs 3 unités de moins de combattants archers. C'est ça qui fait le plus peur, mais sinon voilà, j'ai quand même beaucoup de bretteurs auxiliaires qui peuvent tenir facilement. Il faut que j'arrive à tenir les troupes ennemies tout simplement. Donc voilà, donc on va essayer de faire ça. La ville n'est pas fortifiée, donc il faut que je place bien mes unités. En plus vous voyez là, on voit c'est une butte. Mais voilà, 3-4 prochains tours, il va vraiment falloir que je pense à fortifier cette ville pour pouvoir tenir des sièges facilement. Parce qu'avec l'armée que j'ai là, il suffit juste que j'ai une ville fortifiée et la ville je peux la tenir contre à peu près n'importe quoi. Là dans ce truc là, la carte du mouvement, donc c'est pas évident. Hop, donc tout de suite je vais centrer l'armée. Voilà. Ok, donc ça arrive. La plupart des armées de l'armée ennemie arrivent par ici. Donc c'est une bonne chose. On va faire ça comme ça. On va mettre nos unités de Naginata, de levée Naginata par ici. On va mettre nos 3 unités de bretteurs auxiliaires les plus expérimentées au même endroit. On va en mettre une ici aussi. On va en mettre une là, j'ai pas envie de faire trop le fou. Donc on va faire ça comme ça, ici. Voilà. Je vais baisser le son de la télé parce que j'ai l'impression, j'ai peur que vous l'entendez. Mes unités de samouraï fantassin. Alors oui, il y a une unité d'archer ici, très bien. Donc on va... J'ai pas envie de les mettre là. En fait on les met comme ça, surtout quand il y a une grosse force d'archers en face et quand la cavalerie est susceptible de charger. Mais ici il n'y a pas de cavalerie de ce côté là donc c'est pas une priorité dans un sens, donc ça va. On va également y mettre une unité, on va mettre une unité de bretteur archer ici, de bretteur auxiliaire ici. Ainsi que attendez, faut pas trop que j'isole non plus mes unités, ça va mettre du temps à arriver là bas quand même. Voilà, ici une unité de samouraï fantassin et une unité d'auxiliaire archer
Oui, c'est ça. Hop, donc voilà, on va déjà voir les mouvements. Beaucoup de monde est en mouvement, c'est déjà bien. Ensuite, j'ai encore 2 unités de level Naginata. Très bien. On va en mettre une ici. On va mettre une unité d'archer là pour essayer de contrer la cavalerie qui pourrait arriver. On va mettre mon général à proximité pour le moral, parce que c'est dans cette bataille, je pense que le moral des troupes sera assez important. On va mettre l'autre unité de bretteur auxiliaire ici. Hop, on va mettre le gros de nos archers là. Voilà. Voilà, il ne reste plus qu'à placer une levée de Naginata. Donc ce flanc là est plutôt bien défendu. Je pense... Ouais, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Ça peut être bien. Maintenant, ils ont intérêt à se dépêcher. Il faut qu'ils se dépêchent pour se placer le plus vite possible. Voilà. Il va falloir éliminer ce flanc-là le plus rapidement possible. Ça va être assez décisif. On va reculer un petit peu quand même. On va se mettre là. Hop. Là, on va mettre des flèches enflammées et essayer d'éliminer le plus rapidement possible toute cette cavalerie. Hop. Il me manque une unité de bretteur auxiliaire, pourquoi? Ok, il me manque ça. Allez, on charge, on essaye de pas trop les perdre. Allez, allez, on a déjà éliminé une grosse partie d'unité de général, bah, qui est déjà partie en déroute d'ailleurs. Attendez, attendez. Il va falloir que je ramène encore une unité ici. Ça, c'est parti quasiment en déroute. Je vais ramener cette unité de bretteur le plus vite possible. Dans ce tas-là, surtout. Ici, pareil. Et ici, oula, ici, il n'y a rien qui va. Oula, non, 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 ça va pas du tout, ça. On va perdre ce flanc, mauvais délire. Allez, allez, allez. Ah non, ils s'en vont les cons. Bon allez. On va encourager cette unité pour qu'elle tienne le plus longtemps possible. Et là, on va gérer nos archers et les faire tirer là-dedans. Il faut essayer d'éliminer le plus possible de l'armée ennemie, enfin de leurs généraux. Ça sera déjà une bonne chose. Ma foi. Putain, ici, pareil, ils ont tout niqué. Ici, il faut que je revienne. Elle est encore assez bonne, cette unité. Allez, on peut y arriver. Ici, ah c'est bien, ici une débouchée, c'est bon. Parfait. Faut que nos bretteurs auxiliaires aillent par là, que ici on charge leurs unités.
Ici on va revenir de ce côté plutôt. Cette unité aussi. Tu fais quoi toi? Calme-toi. Allez, allez. Allez, on charge les moins de combattants archers ici. On élimine tout ça. Parfait, on élimine ça. Allez, on charge dessus, parfait. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? Ok, il y a ça qui arrive. Ici. Parfait, on a éliminé tout ça. C'est bien. On revient. On se dépêche. On élimine tout ça. Allez, on a gagné. On a gagné avec beaucoup de pertes quand même. Bon, maintenant, faut réussir à aller capturer tout ce beau monde. Parce que moi, je laisse repartir personne. Il y a mes unités qui prennent beaucoup d'expérience, ma foi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a tout ça à aller chercher. Non, on continue, on continue. Il faut aller rechercher tout ça. Ici. Il faut détruire tout ça. Au moins là, les moines combattants archers, ils sont importants. En général, il est parti chercher. Il est parti chercher tout ça. Ça, c'est bien. Hop. Bon, c'est un peu de la poursuite sur le coup, donc c'est pas terrible, je comprends, mais il faut le faire. Là, les archers, vous pouvez tirer là-dessus peut-être. Hop, si on peut accélérer, ce serait bien. Il y a encore une unité, je crois, à aller prendre. La levée de Naginata. Allez, en courant. On tue tout ça. Y a quoi là-bas? Wouh! C'est bon. Parfait. Ici, c'est quoi? Ah, c'est là, en fait, je crois que c'est la levée de Naginata qui s'est dispersée, d'accord, ok. Très bien. Ah, il y a du... Il y a beaucoup de monde. Ah, il y a tous les bretteurs auxiliaires qui se sont enfuis. Et ici, des auxiliaires de Naginata, ok. Bon, on a réussi cette bataille, on a encore... Peut-être que le flanc derrière, contre les trois unités, on a réussi à tenir. En fait, c'est la cavalerie Naginata qui m'a causé... pas mal de tort et j'ai cru que tout tout l'arrière de mon flanc principal allait être encerclé, mais ça va, les unités se sont reformées et j'ai pu revenir assez rapidement à la charge et puis tenir tête au reste des unités. Donc j'ai perdu ça et j'ai failli perdre cette unité d'ailleurs, j'ai eu assez chaud. J'ai eu vraiment très très chaud. Maintenant on va fortifier cette armée parce que. Enfin cette ville. Parce que là c'est plus possible. Hein, c'est plus possible du tout. Ok, ok. Oula, j'ai. Mon revenu, il est pas bien. On va aller terminer ça. C'est important. Voilà. Oh putain, je peux pas revenir dans la ville, super quoi. Donc ouais, là on est aux villes, on est même pas encore au bastion, donc d'accord, ok. Défense fortifiée, il nous faut vraiment ce bastion. Alors, pour avoir ce bastion, on va devoir piller, enfin aller attaquer une ville et aller la piller. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est quoi ça? Ok. C'est pas terrible, mais bon, on a pas trop le choix. Inamical. Mec, bah normal sur le coup. Hein. On est toujours en alliance avec ces gens. C'est plutôt une bonne chose. Parlez avec prudence, car mon
Mon sabre est prêt à... Ils pourraient, n'empêche, parce qu'ils viennent de perdre deux armées. Je pense que c'était leurs meilleures armées et ça doit leur faire très 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 mal. Bienvenue. Ok. J'écouterai avec soin et vous donnerai une réponse juste. Allez, dites-moi. Ah ouais, mais ces cons sont alliés avec les Taïens. Parlez simple. On va arrêter d'être allié avec tout le monde aussi. Au bout d'un moment, c'est lourd. Quand même. Navire de commerce. C'est une blague. Attendez, je vais sauvegarder, puis je vais essayer d'attaquer cette flotte. Parce que ça m'a l'air vraiment de la merde. Et si je peux réussir à la prendre, ce serait bien. Ah bien. Ah par contre ouais, l'arc bateau samouraï, je l'ai perdu. Ah, elle a pas été détruite totalement, super. Nous, on va rester là-dedans. Je peux réparer au moins celui-là, c'est cool. Ouais, super, le navire de commerce, quoi. J'ai perdu un large bateau samouraï pour récupérer un navire de commerce. Vous avez vu la vanne quelque part, elle est énorme quand même. Ah, c'est pour ça aussi que j'ai perdu beaucoup. Alors attendez, ici on va éliminer ça parce que ça m'emmerde. Voilà. Ça dégage. Oui, parce que les mecs au bout d'un moment ils sont lourds quoi, faut l'avouer. Hein. Voilà. C'est bien. Ouais, mais bon. Voilà. Vous êtes lourds un peu. Le marché aussi, il faut que je le répare. Faut vraiment que je répare mes bâtiments. Et c'est en réparant mes bâtiments que mon revenu va revenir. Parce que pour l'instant, le revenu, bah, il tire la gueule, quoi. Et il va falloir que je recrute aussi. Hein. Ici, pour faire vraiment une véritable armée, parce que cette armée-là commence à un peu avoir mal au cul. Hein. Mais bon, elle commence vraiment à prendre en expérience. Même mes levées de Naginata, ils sont niveau 3 quand même. Hein. Les mecs... Ils vont commencer à être cheatés, même les levées de Naginata, ils vont commencer à être monstrueux, donc ça devient vraiment n'importe quoi. Ça se trouve, vers la fin de cette campagne, j'aurai des levées de Naginata, ils auront une expérience tellement folle qu'ils pourront battre des bretteurs auxiliaires, limite. Enfin, ça m'étonnerait, mais bon, c'est pas loin. Ils auront une défense vraiment monstrueuse, et puis bah là, on pourra rigoler un petit peu. Bon, c'est pas tout ça, mais bon, moi, il va falloir que j'aille monter là-haut, parce que j'aimerais bien voir ce qu'il y a. Agitation grandissante. Oui, bah oui, c'est normal. Voilà. Bon, j'irai pas faire le tag, mais bon. Ici, en fait, ici, on a quoi? Et même ici c'est bien parce que ici la ville est fortifiée et pour la défendre c'est pas, ça va pas être très difficile. Maintenant il me faudrait peut-être une unité d'archer supplémentaire, mais une bonne unité d'archer. Ça je vais l'envoyer là-haut. Ça ne pourra être que très bon pour moi. Alors, attendez. On va faire un truc là. Qu'est-ce qui me rapporte le plus de sous? Je crois qu'on peut faire les deux, ça pourrait être cool. Parce que là j'en ai vraiment besoin pour le coup. Ah parfait. Je peux réparer ces deux bâtiments en même temps. Donc ça c'est bon. Ici. Mon ordre public est très bien, il s'est restabilisé, donc ça c'est une bonne chose. Je pense que je vais pouvoir tenir un peu plus longtemps face au Taira. Il n'y a pas une bonne unité quelque part que je pourrais ramener? Si, par exemple, les auxiliaires Naginata, je veux bien les ramener. Ils me sont assez utiles.
Ça m'apporte beaucoup ou pas? Ah ouais, quand même, si, ça m'apporte beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup à avoir en plus. Hop, ça, on va remonter aussi. Ah non. Ça, je vais plus l'envoyer là-bas. À ma frontière. Ici. Pas du pro... Putain, du premier coup, ça passe pas. Fait chier. Ici, on a quoi de beau? Putain, on a des bonnes unités à certains endroits. Faut vraiment que je fasse attention. Si je sors, je suis à 1. C'est bien. Ici, on revient. Et on refait leur république. C'est une bonne chose. Et là, je pense qu'on va pouvoir passer le tour. Si les Taira me ressortent une armée, je pète un plomb. C'est bon. Et eux, là, les Fujiwara, bah, je les vois pas beaucoup. Hein? Parce qu'en fait, j'ai pas affronté vraiment d'armée à eux. Les s'attaquer. Oh merde. Là, je suis pas bien. Là. Parce que je crois que les s'attaquer, c'est eux. Et ils ont une énorme armée. Akosuke et Musashi. Pourquoi Musashi? Ah oui, Musashi, c'était ça. Wesh! C'est eux les s'attaquer. Ok. Bon. C'est une seule ville. Ah! J'aurais dû fermer ma gueule tout à l'heure. J'aurais vraiment dû fermer ma gueule. Là, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Ouais, non, on va lever une armée ici. On va se préparer à faire la guerre. Parce que ça va pas du tout. Les Daitsuke. Oh non! Les mecs ont tué les seuls alliés que j'avais, quoi. Oh bah ça va pas beaucoup pour moi, hein, je vous le dis. Je suis ici pour écouter. Une fois que vous aurez parlé, avec honnêteté, je donnerai une réponse à vous. Demandez de rompre l'alliance avec les Taira. Ok, vous voulez pas. Ok, bon bah je suis vraiment dans la merde. J'ai peur pour ce let's play, je vous le dis. Hein. J'ai peur. J'ai vraiment très peur pour ce let's play. On va renforcer ici. Ici la rébellion risque d'arriver, c'est super. Il faut remonter avec cette unité, c'est bien. Et ici on va tenir assez longtemps je pense. Ok. Putain, puis ici c'est une ville quoi. Des bars. En fait c'est l'armée de ces mecs qui me fait très peur là. Je peux pas tenir face à une armée par... En plus mes unités sont pas du tout refaites hein. Faut le remarquer aussi. Et en plus je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Ça c'est cool aussi. J'ai pas beaucoup d'archers en fait. Disons que ça fait beaucoup en même temps quoi, c'est tout. Ça fait beaucoup en même temps. Il faut que j'arrive à anéantir ces mecs. Faut vraiment que j'arrive à les avoir. On va passer le tour, mais je pense que le prochain tour sera assez catastrophique. Alors. Repartez chez vous. Vous avez rien vécu. T'as rien vécu.
putain, ils se sont rapprochés, je suis pas bien. Je me sens vraiment pas bien. Qu'est-ce que vous voulez que je tienne la ville avec ça? Je vois pas les coups. Ah, j'ai un 6, c'était plutôt cool. Guerrier, ouais, bah c'est cool, hein, je m'en fous. Renforcer nos frontières. Putain, dans Shimusa. Ok. On va recruter à Shimusa. On devait lever une armée ici, c'est vrai. Ouais, puis ici, ils m'emmerdent un petit peu, les mecs, quoi. Je pense que pour l'instant, je vais pouvoir me priver de ça. Et je vais préparer mes troupes là-bas. Je vais regrouper une armée à Musashi. Je vais faire ça parce que... pour l'instant, ça me fait plus peur qu'autre chose. Pour l'instant, je suis vraiment pas bien, en fait. Je suis pas bien. Je me sens pas bien. C'est la décadence. Il faut que j'arrive à lever une armée là-bas. Hop. On va agrandir cette armée. Puis, bah, sécuriser Shinano du Nord. Et puis, ça sera bien. Ça sera bien. Alors, putain, mais c'est même pas, elle est même pas fini, c'est même pas totalement reconstitué, ça, super. Ils ont quasiment que du bretter auxiliaire, ils ont un peu d'archer, ils ont des grenades, des grenadiers. Je sais pas vraiment ce que ça a apporté, en plus je pense que je pourrais même pas totalement les recruter. C'est super. Mais wesh. Mais c'est quoi ces alliances là? Eux ils sont loin à la rigueur, mais bon, ils vont débarquer, ça va me faire tout drôle. Oh là 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 là. Au bout d'un moment, je vous ai dit, faut arrêter. Vous allez pas me ressortir une armée. Oh, oh les bâtards! Mais frère, la seule unité de cavalerie que j'ai, tu me la voles. Moi, putain de merde. Mais comment voulez-vous que je gagne? La seule façon que je pense pouvoir gagner, c'est jouer avec ma cavalerie, mais encore... des grosses barres, quoi. Ils ont la blinde d'unités d'archers en plus. Ouais non, putain ça me fait chier. On va essayer de tenir. Dans cet épisode, on va essayer de tenir, écoutez. Oh, mieux quoi. Il y a mieux comme fortification. La bataille des Zuwaka. Clan qui me déclare la guerre, je peux vous dire que je suis du tout pour ça. C'est vraiment une industrie de merde que j'ai en plus. Ils sont en train de me briser, enfin de me priver de tout le commerce, le peu de commerce que j'avais. Et en plus, ils sont en train de faire des blocus de port partout. Moi, j'ai plus rien qui arrive quoi. Alors, on va rigoler un petit peu parce que bon. Ce serait bien que je gagne du temps et que ouais, je sois déjà dehors. Voilà. Mon général, je vais le laisser là. Monter, descendre, voilà. Alors. Ok, les mecs sont tous en face, ils me font trop peur. On va là-bas. En courant, bien sûr, parce que bon, de toute
d'un moment faut pas pousser quoi. Ici et de ce côté là. Ici. Voilà. Ensuite. Qui fait le plus peur? Ce côté là. Ce côté là-bas fait plus peur. On va essayer d'être comme ça. En fait, ce qui m'énerve, c'est que leurs archers vont vraiment m'emmerder sur le coup. Ils vont vraiment être très relous. Et c'est ça, bah, c'est ça qui est relou, tout simplement. Les mecs vont pousser. Ils vont être relous et voilà. Mais le Naginata, on va les mettre comme ça. Bon, par contre, on se presse, hein, les gars, parce que je sais pas que ça qu'à faire. Hein, voilà. Je vais attendre qu'ils isolent leurs archers en fait. C'est ça mon but. Je vais attendre qu'ils isolent leurs archers de ce côté-là. On va déjà faire ce côté-là, ce sera déjà une bonne chose. Ils ont 3 unités d'archers et en plus c'est ici qu'ils ont leurs grenadiers. Je sais pas s'ils en ont. Non, ils ont pas d'autres unités de grenadiers ici, donc c'est bon. Qui s'isole toute seule, c'est parfait. Je vais essayer de l'accrocher et de l'éliminer. Je vais pas les demander d'attaquer parce qu'ils vont trop vite reculer. Ça va être difficile. Déjà là, je vais prendre des tirs, je suis pas bien. Allez. Putain, bout portant, ça fait trop mal. Je suis pas bien. Mais c'est quoi cette charge de zoulette là? Allez, on dégage. On s'en va. Allez là, mais vite! Oh là là, oh là là, c'est quoi ça? Vous vous rendez compte que vous tuez personne en fait? Allez, on recule. Et là, on nique des mers. Allez, on s'enfuit. Ici, on va gérer tout ça. On se laissera pas faire. Alors, parce que les mecs sont nombreux quand même. Les mecs sont nombreux. On va utiliser toutes nos unités en fait. On va utiliser toutes nos unités parce que le reste de l'armée il n'arrivera pas tout de suite. Putain, mais ils font quoi? Oh là là, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Allez. Ça c'est fait. Putain, mais ils partent tous en déroute, c'est con. On les laisse pas repartir par contre, on fait un massacre et on les défonce. Putain, il y a déjà une de leurs unités qui part en déroute quoi, débarque.
de faire une charge en vain. Bon, c'est pas tant en vain que ça, mais bon. On peut pas faire grand chose. Allez, on charge. C'est bien, allez, allez, non, on continue en fait. Si on peut tous les mettre en déroute, ceux-là, ça serait cool. Putain, mais ils partent tous en déroute en fait. Putain, c'est quoi ces mecs? Allez, allez, vite. On peut y arriver. Ici on a réussi à se faire tout le monde. C'est parfait. Allez, allez. On a réussi quand même à très bien défendre. Ma foi, je suis assez fier de moi. Et vous me faites quoi là? Bon, les mecs veulent sortir. Bon, comme vous voulez. Bon, ici on a réussi à se faire tout le monde avec mon unité de cavalerie, donc ça c'est une bonne chose. Ici pareil, on va sortir et on va aller se faire tout ça. Allez. Allez, si on peut éliminer leur général. Normalement, il devrait être mort. Monseigneur, leur général a été tué. Voilà. Ils ne s'en remettront pas. Par contre, on continue, on détruit tout, on détruit toute l'armée ennemie. Il y a beaucoup de bretteurs auxiliaires qui ont réussi à battre en retraite. Ça, ça m'a fait assez chier. Et mon général a pris quand même assez cher. Hop! Allez! Bon, tu, bah, il est parti, mon pépère. Tu fais quoi, toi? Il est fou, lui. Hop. Ouais, allez. Au point où on en est. Mes archers ont fait quand même un gros taf. Parce qu'ils ont réussi à tenir assez longtemps. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Et Managinata à cheval a fait aussi un énorme taf. Elle s'est faite 3 unités à elle seule, quasiment. Donc ça, c'est assez énorme. Hop, on va faire ces bretteurs auxiliaires là aussi. Je pense que on a éliminé en plus on a éliminé le général, donc il doit plus rester de quasiment rien rester, voire je pense qu'elle sera totalement détruite cette armée. Donc voilà, on résiste quand même assez bien alors qu'on prend des grosses claques. On prend des grosses claques, hein, faut le dire. C'est pas marrant. Voilà, on termine cette bataille. Et puis bah, que je tourne. Et je vous ai présenté 2 batailles. En plus je vous ai mis 2 batailles. J'aurais pensé peut-être mettre cette bataille dans le deuxième épisode, dans le premier épisode plutôt. Mais non, je me suis dit je vais la faire sur ma continuité. et puis voilà. Donc puisqu'ils ont perdu une grosse armée, je pense pas qu'ils en auront une autre. Il reste quand même du bon. Donc du coup c'est quoi ça?
parce que là je viens de revoir un truc qui me plaît pas beaucoup. Hein? C'est quoi ça? Ah non, j'ai peur. Les s'attaquer. S'attaquer sont là? Mais pourquoi? Mais si ça se trouve, Itachi est sans défense. Ça veut peut-être dire ça. Enfin, ça m'étonnerait, mais bon. Ça a apporté quoi, ça? Deux de bonheur, donc ouais. Donc ça, faut le faire au plus vite. Donc ouais, ça veut peut-être dire ça. Bon, on va aller voir ça au prochain épisode, parce que si l'armée des s'attaquer est ici, parce que j'ai pas vu autre chose en fait, ça veut peut-être vraiment dire que voilà, ils ont, les mecs n'ont rien laissé à Itachi, donc ça pourrait être une bonne chose si j'arrive à les prendre, et en plus ça augmentera mon revenu. Donc on a trouvé le clan Doi. J'écouterai ce que vous... Ah, bien. J'accepte votre offre. Considérez ceci comme un honneur pour vous et... Très bien, ça c'est cool ça. Que vos mots flottent sur la brise. Bon, c'est pas grave, mais au moins je fais du commerce avec ces gens. Et en fait, je suis en guerre contre... contre eux. Donc ça, je connais. Contre eux, ils vont pas tarder à y rester, je pense. Et contre eux, ok. Bon, ça me rassure pas beaucoup. Mais je pense, ouais, il y a moyen de réussir à tenir et à gagner. Il faut juste que je continue à faire du recrutement, que je répartisse bien mes troupes. Et normalement, oui, ça, normalement, vraiment, ça devrait, on devrait réussir à tenir le coup. Donc ici on est à 0, d'accord. Et là ouais, je suis choqué quoi, ils m'ont carrément enlevé mon unité de Naginata Samurai. J'étais vraiment pas bien. On va essayer de l'attraper. Voilà, au moins on l'a éliminé et on se la prendra pas plus tard. Et en plus j'ai eu aucune perte. Donc ça c'est parfait. J'espère revenir du premier coup dans ma ville. Parfait. Voilà. Donc bah, cette armée a pris quand même beaucoup en expérience. Et puis bah voilà. Je pense qu'au bout d'un moment, il faudra vraiment que j'aille chercher Shinano du Sud. Mais ça me fait peur parce qu'en plus du coup, il y a ces individus en haut qui ont détruit mes anciens alliés, les Daitsuke. Donc bah du coup je suis pas bien. Hein, je suis pas bien. Parce que bah, j'ai plus d'alliés. Et puis ma frontière au nord est encore plus menacée. Donc voilà. Donc bah jeunes gens, on va se laisser sur cet épisode 7 assez victorieux de mon côté. J'ai gagné deux grosses batailles. J'ai résisté à deux énormes assauts de deux ennemis différents sur deux villes différentes. Donc voilà. Donc bah merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve très très vite pour le 8e. Salut à tous. Et ciao ciao.